Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous reconnaissez ma tenue, c'est normal, c'est parce que je filme l'intro le même jour que la vidéo précédente. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art. Donc c'est le nail art que je porte aujourd'hui. Je sais pas trop si vous verrez. C'est tout simplement un nail art papillon. Donc depuis le temps que je rêvais d'en faire un, j'ai jamais vraiment pris la peine de le faire. Je me suis dit ça va être long, ça va être minutieux. T'as pas forcément le temps. Vous allez me dire, j'ai fait d'autres trucs plus minutieux que ça entre temps. Mais bon, j'ai décidé de me lancer pour faire le nail art papillon. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est assez compliqué. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'essaye de faire des nail art plus compliqués. J'essaye de les filmer, puis je me rends compte que même moi, je galère. Je les filme pas parce que je me dis, mais si moi je galère, j'imagine pas vous parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont peut-être débutants, d'autres qui ont l'habitude. Mais voilà, je pense pour tout le monde et j'essaie de faire des trucs quand même assez simples. Mais celui-ci, je me suis dit qu'il pourrait intéresser plein de monde parce que c'est assez une tendance en ce moment, les nail art ailes de papillon. Donc voilà, j'ai décidé de vous le faire. Mais je vous avertis, ça va être compliqué. Pour vous dire, mais moi j'ai dû recommencer deux fois deux ongles. Donc c'était vraiment très très pénible. C'est long, faut attendre que ça sèche. Parce qu'en fait, c'est sur une base de dégradé. Je sais pas si vous verrez très très bien. Voilà, il y a un dégradé de plein de petites couleurs pastel. Voilà, c'est assez long. Mais voilà, si jamais vous voulez voir comment j'ai réalisé ce nail art, bah, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Salut! Appliquez une à deux couches d'un vernis blanc. Sur une éponge à maquillage, déposez plusieurs couleurs pastel, puis dégradez-les sur votre ongle. Répétez cette étape pour que les couleurs soient plus intenses. Appliquez ensuite une couche de vernis légèrement pailleté pour unifier le dégradé. Appliquez une couche de top coat mat pour préparer l'application de la peinture acrylique. À l'aide de peinture acrylique noire diluée, dessinez un arc de cercle au coin de votre ongle. Tracez ensuite des lignes depuis l'arc de cercle jusqu'au bout de votre ongle. Reliez ces lignes par des petits arcs de cercle au bout de votre ongle. Remplissez l'espace entre les lignes et le bord de votre ongle de peinture acrylique noire. Faites ensuite des points blancs à l'aide d'un dotting tool dans les grosses zones noires. Appliquez une couche de top coat et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que partager vos recréations de mes nail art sur les réseaux sociaux grâce au hashtag OopsBeautyNail. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut !